Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance, on va parler des Oilers d'Edmonton. Les Oilers d'Edmonton qui ont la chance d'avoir peut-être les deux meilleurs joueurs de la NHL, ou du moins le meilleur joueur de la NHL, ça c'est sûr. Connor McDavid, mais avec Leon Draisaitl, ils sont plutôt pas mal. Mais bon, la saison dernière, ils ont quand même réussi à se qualifier pour les playoffs. Malheureusement, ils ont perdu en 4 matchs secs contre les Jets de Winnipeg. Donc ça fait un peu de tâche, hein. Surtout qu'on a le meilleur joueur de la NHL. Donc cette saison, il y a eu encore du mouvement du côté des Oilers. Alors en attaque, à mon avis, ils ont fait très très bien. En défense, j'en suis un peu moins sûr. On va tout de suite regarder cette attaque avec les départs d'Alex Chiasson, Dominique Cahoun, Kyra, James Neal, le contrat a été racheté. Mais surtout, ils sont allés chercher un excellent joueur, à mon avis, un très très bon joueur qui va parfaitement aller avec un Connor McDavid ou un Leon Draisaitl. Je parle bien sûr de Zach Hyman. Ils ont signé un contrat, il était joueur autonome, donc on pouvait aller le chercher gratuitement. Ils sont allés chercher ce joueur et lui ont offert un contrat de 7 ans pour 5,5 millions. La saison dernière, il a été assez bon, hein. C'était sa meilleure saison, 33 points en 43 matchs. Et comme je vous le dis, ça va être, à mon avis, une pièce importante qui a été rajoutée à ces Edmonton Oilers. Il va se marier parfaitement avec un Connor McDavid ou un Leon Draisaitl. Ça dépend sur quelle ligne il va jouer. Dans tous les cas, c'est très très bon. Ils sont aussi allés chercher un Warren Fogle du côté des Hurricanes de la Caroline. Et là, c'est pas mal non plus. Ça met de la profondeur à ce banc. Ça va rendre un peu plus responsable les autres joueurs. Et je pense que Ken Holland, le directeur général, a très très bien fait. En attaque, je trouve que cette attaque est vraiment beaucoup plus intéressante que la saison dernière. En plus, on va voir les Puarvi ou les Yamamoto qui ont pris un peu de bouteille, peut-être un peu plus devenir intéressant, un peu plus exploser dans la NHL. Et donc, en attaque, bah, ça va être vraiment impressionnant à voir jouer, à mon avis. Donc, attention, les autres équipes vont pouvoir commencer à s'inquiéter. En défense, je suis moins convaincu en défense, je vous le dis sincèrement. Donc ça a toujours été un peu le problème, la défense du côté des Oilers d'Edmonton. D'ailleurs, on a vu partir Adam Larson qui avait été changé contre Taylor Hall. Ça avait fait beaucoup couler d'encre à l'époque. Et là, on est allé récupérer un super vétéran, on va dire. Duncan Cade, 38 ans, 3 coupes Stanley du côté des Blackhawks de Chicago. Alors, est-ce qu'on a eu raison? J'en sais rien, moi ça me paraît quand même. On sait que Duncan Cade est en chute libre, au moins au niveau des points. Avant, il jouait en avantage numérique. Là, ça m'étonnerait qu'on le fasse jouer en avantage numérique. Donc, à mon avis, Duncan Cade, c'est vraiment pour amener de l'expérience, pour peut-être former de nouveaux joueurs. Mais dans 2 ans, à mon avis, il ne sera plus dans cette équipe des Oilers d'Edmonton. On est aussi allé chercher Cody Ceci. Là aussi, de l'expérience, un joueur qui a beaucoup joué dans la NHL. Mais à mon avis, un joueur qui n'est pas très très sûr d'un point de vue défensif. Un joueur qui peut faire des erreurs assez catastrophiques. Donc Cody Ceci, c'est pas un contrat tout risque. Hein. Je vous dis franchement, Cody Ceci, ça me paraît un peu compliqué. Pareil, on a re-signé Tyson Barrie qui avait été très très bon du côté de l'Avalanche, mais très très mauvais du côté de Toronto. Là, cette saison, avec les Oilers, ça a été plutôt pas mal. Et c'est à mon avis, ça sera lui qui va tenir un peu l'avantage numérique. Tyson Barrie, on l'a re-signé. On verra, c'est pas un si mauvais move que ça. Ensuite, on verra peut-être jouer un jeune défenseur, Evan Bouchard. Evan Bouchard qui a déjà 14 matchs dans la NHL, 5 points pour lui, 2 buts, 3 passes. Evan Bouchard qui va sûrement profiter justement de cette expérience de Duncan Cade pour pouvoir progresser dans cette organisation des Oilers d'Edmonton. Il est évident que c'est un Evan Bouchard qui est le futur de cette organisation, du moins en défense, et on espère qu'on va pouvoir le faire progresser pour qu'il puisse prendre cette place dans le top 4. On va parler des gardiens. Les gardiens, il n'y a eu aucun changement. Mike Smith sera toujours sûrement le gardien numéro 1. Mikko Koskinen, avec son contrat en or, sera sûrement le gardien numéro 2. Mike Smith qui a fait plutôt pas mal la saison dernière, malgré ses 38 ans. Maintenant, il en a 39. Et comme on le sait, et pour les joueurs et pour les gardiens, plus on vieillit, plus c'est compliqué. Et là, à mon avis, ça va être toujours un peu compliqué pour Mike Smith. On espère pour lui qu'il fasse une bonne saison. Mais là aussi, ce n'est pas l'agence tout risque d'un point de vue des gardiens. Attention, ça pourrait pêcher de ce côté-là.
Mes prédictions donc pour les Oilers d'Edmonton, et ben mes prédictions, si ça reste quand même une équipe avec des talents offensifs juste incroyables. Malheureusement, je pense qu'en défense, on n'a pas fait vraiment un changement significatif. Et au niveau des cages, on n'est sûr de rien avec un gardien vieillissant. Donc ça met en balance plusieurs choses. Ils vont marquer beaucoup de buts. McDavid va encore battre des records, j'en suis convaincu. Est-ce qu'il atteindra les 154 points comme certains le disent, ce qui serait assez exceptionnel? C'est possible. Mais en même temps, cette équipe peut marquer 5 buts, mais peut s'en prendre aussi 6. Donc, à mon avis, encore une fois, ils vont se battre jusqu'au bout pour aller se qualifier en play-off. Et moi, je vous le dis, j'espère qu'ils vont se qualifier. Donc, je vais dire qu'ils vont se qualifier. Mais j'espère qu'ils vont se qualifier parce que avoir quand même les meilleurs joueurs offensivement dans ces play-offs 2021-2022, ça serait quand même vraiment top de les voir jouer. C'est toujours vraiment très agréable de voir un McDavid en playoff. Donc j'espère pour les Edmonton Oilers qu'ils se qualifient. Et donc je vais mettre un pouce en haut pour qu'ils se qualifient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation. Allez, ciao !